Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette troisième conférence sur la stratégie. C'est un rendez-vous maintenant qui s'installe chaque année à Educatech. On a un autre rendez-vous annuel qui est également assez important pour nous à la direction et au ministère. C'est le colloque du numérique pour l'éducation qu'on organise en juillet, qui rassemble aussi l'ensemble des acteurs. Donc des moments qui rythment l'année, et donc on a le plaisir aujourd'hui de regarder aussi la stratégie et puis de se projeter sur les prochaines étapes. Aujourd'hui, donc, cette troisième conférence s'installe dans la continuité. On a le plaisir d'accueillir donc nos quatre intervenants de l'an dernier, ce qui permettra d'avoir une continuité dans les propos et de continuer à se projeter. On est également en continuité parce qu'on a notre stratégie, ce document, j'allais dire, unique, en certes, sur lequel on travaille encore et qu'on met à jour, mais voilà, ça fait partie de la continuité des travaux. On aura quand même pour cette conférence un tout petit, une petite variation qui permettra, à peu près au milieu de la conférence, d'échanger et de vous présenter de manière assez concrète les deux exemples de projets, d'initiatives qui sont en cours. Et puis on gardera un petit temps évidemment en fin de table ronde pour prendre quelques questions dans la salle. Alors sans plus tarder, donc je vous propose d'accueillir nos quatre intervenants et puis je vous propose qu'ils se présentent en 30 secondes. Donc je commence. Bonjour, Mylène Rame, association Avica. Donc Avica est une association de collectivité territoriale. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, merci. Donc on est une association présidée par un sénateur et l'objectif de l'association, c'est de faire échanger les collectivités territoriales entre elles. Notre cœur de métier, c'est le déploiement des réseaux de fibre optique. Moi, je suis chargée de mission numérique pour l'éducation au sein de cette association. Audran Le Baron, je suis le directeur du numérique pour l'éducation. La DNE, c'est à la fois la DSI du ministère de l'Éducation nationale. C'est un peu fort, j'ai l'impression, non? Et également la direction qui est en charge le développement du numérique éducatif, c'est-à-dire le numérique dans la classe, pour aider la pédagogie, mais ce, en lien avec l'ensemble des partenaires dont un certain nombre sont ici représentés. Bonjour à tous, Auriane Lebrun, je suis la déléguée générale de EdTech France. EdTech France, c'est l'association de la filière EdTech qui regroupe aujourd'hui plus de 400 entreprises françaises qui utilisent les technologies pour l'éducation et la formation. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est de mettre le meilleur de la tech française dans les mains de nos enseignants et de nos élèves, simplement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les technologies et les solutions EdTech ont des réponses à apporter qui sont à la fois efficaces et performantes en matière de performance éducative et d'apprentissage des savoirs, en matière d'inclusion scolaire, en matière d'amélioration du climat scolaire, en matière de prise en compte des élèves et à besoins particuliers et tout un tas de défis auxquels l'école est confrontée. Bonjour, je suis Célia Rosentrobe et je préside l'association des éditeurs d'éducation, qui sont en gros les éditeurs scolaires. Donc je représente plus de 30 marques d'éditeurs scolaires en France et le rôle de l'association, c'est bien sûr de nourrir la réflexion autour de la pédagogie avec le numérique notamment. Nous travaillons d'ailleurs avec EdTech France et la FINEF sur tous les sujets du numérique éducatif portés par la filière. C'est vrai que le manuel numérique est aux avant-postes de la transformation des usages depuis bien longtemps, donc depuis les premières expérimentations dans les années 2000. Merci à tous les quatre. Alors, le 27 janvier 2023, on a publié la stratégie numérique pour l'éducation. Hein, c'est le document qui était affiché là juste là. Et qui est disponible sur le site du ministère. Dans 2 mois, on fêtera son anniversaire, les 2 ans de la stratégie, et je souhaitais vous faire réagir sur justement de votre point de vue en tant qu'entreprise de l'EdTech, collectivité territoriale, éditeur et puis État. Quels ont été, selon vous, le principal apport de cette stratégie? On commence par Mylène. Alors, merci Stéphane. Je pense qu'un des axes rappelle
que cette stratégie, il s'agit bien d'une stratégie pour une politique publique partagée. Je vous redonne juste un petit chiffre, 23% de la dépense intérieure de l'éducation provient des collectivités territoriales. Donc c'est vrai qu'on aime bien aussi être associé au plus proche, et c'est ce qui s'est passé ces deux dernières années. Le second point, et je l'ai dit en introduction, c'est que c'est une stratégie pour l'éducation. C'est une stratégie pour le numérique éducatif et pas pour le numérique pour l'éducation, pardon, et pas pour le numérique éducatif comme on l'entendait avant. Donc c'est beaucoup plus global. Enfin, elle a donné, et je l'ai entendu tout à l'heure, c'était assez amusant. Ce matin, j'entendais quelqu'un me dire, c'est incroyable comment depuis 2 ans, il se passe quelque chose au ministère. À la direction du numérique éducatif. C'est quelqu'un qui ne travaille pas au ministère, c'est quelqu'un qui regarde d'assez près le ministère, mais elle me dit, mais c'est incroyable comment tout a changé depuis 2 ans. Donc je pense que la stratégie est pour beaucoup. Elle donne un cap général. Là où avant, il n'y avait pas de coordination, ni sur les objectifs, ni sur les moyens. Et en plus, elle a, en tout cas au niveau de l'État et des collectivités territoriales, il y a une confiance qui s'est instaurée. Et ça, c'est dû notamment aux nombreuses réunions. Donc autant que les objectifs que la stratégie, les multiples réunions que l'on a permettent d'échanger au quotidien. Elles ont instauré un dialogue que l'on n'avait pas avant, ou en tout cas beaucoup moins fréquemment. Je pense aussi que le Covid n'y est pas pour rien, parce que l'instauration des multiples visios a permis aussi d'engager tous les acteurs en dehors de Paris. Et de ce fait, ils se sentent aussi beaucoup plus impliqués dans la stratégie. Merci, Mylène. Oriane ou Célia, peut-être ? Alors, rapidement, ça va dans le même sens que Mylène, mais moi je dirais que le principal résultat, c'est forme de connaissance mutuelle entre des parties prenantes qui sont d'univers différents. Moi, en tant qu'effectivement représentante des entreprises françaises de la EdTech, on a des considérations qui sont spécifiques à des entreprises, avoir des perspectives financières, avoir des perspectives de marché, avoir des temps qui sont assez courts, avoir des endroits où on peut expérimenter, avoir une prise en compte des retours que nous font les utilisateurs, par exemple les enseignants, les élèves, etc. Et donc c'est vrai que le cadre de cette stratégie aide à nous faire remonter un certain nombre de choses et comprendre mutuellement les enjeux à la fois des pouvoirs publics et des entreprises et des partenaires privés. C'est encore un enjeu. Je pense qu'on peut encore aller plus loin dans cette capacité à mieux s'articuler, à comprendre que finalement nous avons tous un intérêt collectif à réussir, y compris avec des points de vue et des positions qui sont divergentes ou différentes. Mais c'est vrai que ça crée ce cadre de collaboration qui nous fait avancer. Et peut-être un petit point là-dessus aussi. Pour rentrer un tout petit peu dans le détail, nous, par exemple, moi, ce que j'ai vu sur l'année qui vient de se passer, c'est une plus grande collaboration, coopération même avec les académies, dans à la fois leur capacité à être un premier niveau d'interaction avec des EdTech, notamment les jeunes pousses. Nous, tous les mois, on a des jeunes pousses qui arrivent chez nous, qui se saisissent de l'IA, pour les potentialités que ces technologies ont en matière de gestes enseignants ou de personnalisation des savoirs. Et c'est vrai que le lien avec les académies s'est approfondi et on en sort quelque chose de positif pour notamment les jeunes pousses qui ont besoin des terrains d'expérimentation, d'un premier niveau d'interaction avec le ministère et sa représentation territoriale pour pouvoir avancer et construire les meilleures solutions possibles. Merci Oriane. Et du point de vue des éditeurs d'éducation, quel apport sur tous ces travaux, sur la stratégie ? Donc du point de vue des éditeurs d'éducation, nous, ça faisait de longues années qu'on appelait on avait une demande de visibilité, parce que quand on est un acteur de l'éducation, si on veut innover, si on veut prévoir ses investissements, on a besoin de savoir où investir, sur quoi et dans quelle temporalité. Donc c'est vrai que cette stratégie du numérique, elle nous donne
elle nous donne une vision qui nous éclaire au-delà d'un mandat politique. Voilà, c'est très important pour nous parce que les mandats politiques se succèdent. Donc nous, on a besoin d'avoir une vision bien au-delà de ces mandats politiques. Et puis, cette stratégie du numérique, elle fixe quand même, elle a le mérite de fixer trois intangibles qui sont très importants. Cette stratégie, si vous la lisez bien, elle a été construite autour d'un mot essentiel pour nous, éditeurs scolaires, mais je pense pour vous aussi, qui est liberté pédagogique. Donc ça, c'est un premier intangible. Le deuxième intangible, c'est, et ça, on n'a plus besoin de revenir dessus, c'est que chaque fois qu'il y a des plans numériques ou que des collectivités veulent passer au numérique, on sait qu'il y a un triptyque à respecter qui est formation des enseignants, matériel, ressources. Donc ça, on n'a plus à revenir dessus. Et enfin, cette stratégie, elle donne un cap avec des normes et des standards qui sont ouverts et qui nous aident aussi, nous, à savoir où investir dans le numérique. Je reviens juste donc, sur ce mot de liberté pédagogique parce que c'est important à l'heure où le numérique se déploie. La stratégie du numérique, que j'ai relue quand même parce que je ne la connais pas par cœur, elle dit bien sur le plan des manuels scolaires, par exemple, les manuels numériques au lycée, il est important que les équipes enseignantes soient volontaires, formées pour l'adoption du numérique. Ça, c'est un point clé. On verra s'il est respecté ou pas, il n'est pas respecté partout. Mais donc ça, si on veut que le numérique serve à quelque chose à l'école, soit bien pris en main, c'est un point très important. Alors c'est pas pour faire joli, c'est juste parce que la liberté pédagogique, c'est avec ça qu'on crée l'innovation dans les classes, c'est avec ça qu'on est au plus près des élèves, et c'est avec ça qu'on fait réussir les élèves. Donc c'est ce mot-là que je voudrais qu'on garde bien en tête. Merci Célia. On reviendra peut-être sur la formation, effectivement. Audran, sur les apports de cette stratégie. Alors, je vais peut-être être un peu redondant avec certaines interventions précédentes, mais ça prouve que finalement on partage, on converge. Peut-être un petit retour en arrière, moi, quand je suis arrivé maintenant il y a un peu plus de 3 ans à la tête de la direction du numérique au ministère. Il y avait ce constat effectivement de l'absence de stratégie au sens de ligne directrice claire sur où on va finalement, c'est quoi la vision partagée de tout le monde, alors même qu'on est sur une politique publique partagée. Et donc ça c'était un manque criant, mais à la limite, pourquoi pas, mais quand on voyait la conséquence sur les utilisateurs finaux, que sont les enseignants, les élèves, mais également toute la communauté éducative, c'est un écosystème foisonnant et une offre totalement illisible, où les plateformes se multiplient, le mot de passe se multiplie, on ne sait plus où donner de la tête. Et moi, c'est ça qui m'anime, c'est l'expérience utilisateur. À un moment donné, il faut donner un parcours qui soit clair, où l'usager puisse se repérer, il sache quoi faire, etc. Et donc, si on veut prendre le problème à la racine, si on veut travailler sur l'expérience utilisateur, il faut déjà partager une vision entre l'ensemble des acteurs. Et donc, c'est ça qui m'a fait dire bon, il faut qu'on travaille là-dessus. Et donc, voilà, donc, ça, c'était un peu le point de départ. Et après, moi, je me félicite tous les jours qu'on ait pu ensemble arriver à cette vision stratégique, parce que, enfin, quelque part, c'est un peu ce que vous disiez avant, le fait d'avoir cette vision qui est partagée, ça, c'est, j'insiste, hein, c'est pas la vision du ministère qui a écrit quelque chose un jour dans son coin et qui l'a publié sur son site, c'est une vision qui a été concertée par près d'un an de travaux avec l'ensemble, avec une posture où on a quitté les postures un peu que vous pouvez connaître entre acteurs, on a vraiment posé les choses, posé les sujets pour les résoudre, pour partager une vision. Donc voilà, c'est toute cette méthode-là qui a permis cette vision partagée et qui fait que désormais on a un cap, alors qui est extrêmement précieux, enfin qui m'a été en tout cas extrêmement précieux, mais je crois que c'est ce qui a été dit avant moi, notamment dans le cadre de relative instabilité politique, si vous voyez ce que je veux dire, ces dernières années. Bon, ben voilà, le fait d'avoir avec nous une vision qui n'est pas celle d'un ministre ou d'une ministre, mais qui est celle de la communauté éducative, ben ça oblige et ça permet de garder le cap et de continuer de travailler dans le même sens, malgré une certaine instabilité. Merci. Alors, merci beaucoup, Audran. Donc on a une stratégie, on a ce fameux cap, et vous l'avez bien expliqué. Regardons aussi peut-être, toujours dans le rétroviseur, sur les principaux résultats. Selon vous, quel a été le résultat emblématique des 2 dernières années qui illustre la mise en œuvre de cette stratégie, ce mouvement collectif ? Mylène ? Alors, je ne sais pas si c'est le résultat, mais en tout cas, c'en est un qui est assez important pour les collectivités territoriales.
c'est que l'on a construit, je ne sais pas si on peut mettre la slide, on a construit une matrice de répartition des compétences. Alors pardon, ça paraît un peu abscon, je ne sais pas. C'est pas fait pour lire, c'est pour vous montrer que ça existe. Voilà. Donc on a conscience que ça a demandé pas mal de réunions, et donc cette matrice est un simple A4, comme vous voyez, et elle définit selon la loi qui fait quoi, qui intervient sur quoi. Et elle dit aussi lorsque la loi est muette, parce que parfois elle est muette, elle dit qui peut faire quoi, la pratique qui existe. Donc ces matrices, elles existaient déjà dans certaines académies, entre certaines académies et certaines collectivités, mais il était important de disposer d'une matrice nationale qui a été validée et reconnue par le ministère. Donc par exemple, je vais prendre, parce qu'on est aujourd'hui au salon Educatech, si on prend là, je crois que c'est la dernière ligne, donc fourniture des manuels scolaires, papier et numérique. Et donc là, on lit en fait donc pour les écoles, qui doit acheter, donc c'est non précisé dans la loi, donc les familles, mais dans les faits, c'est souvent les communes et l'État. Je vous déroule juste pour les collèges, c'est l'État, ça c'est inscrit dans la loi, donc on sait. D'ailleurs, on pourrait peut-être ajouter que, mais dans les faits aussi, les collectivités, les départements achètent aussi, on pourrait compléter, vous voyez, donc c'est une matrice vivante aussi. Comme tous les documents d'ailleurs, tous les documents que l'on écrit, ils sont tous vivants. Donc là, on pourra ajouter aussi que les collectivités parfois achètent ces manuels. Et dans les lycées, je vais faire que les lycées d'enseignement général et technologique, c'est non précisé dans la loi. Mais donc c'est les familles, mais dans les faits, c'est souvent les régions et parfois l'État. En tout cas, ça nous éclaire vraiment sur qui doit faire quoi. Et c'est assez important parce que, alors, si une précision, enfin, localement, sur par exemple qui entretient le matériel, il peut y avoir des accords entre la collectivité et l'académie sur qui intervient et jusqu'où. Donc, ça c'est le modèle théorique, mais chacun peut avoir son interprétation locale, en général en fonction de l'histoire ou alors des compétences que l'on a sur place ou des volontés politiques et académiques. Donc il peut y avoir des adaptations, et il y a des adaptations locales, mais au moins on a ce cadre. Et c'est important aussi parce que, à la fois pour l'élu, il peut se situer par rapport à cette répartition théorique, il peut situer sa politique, mais c'est aussi important parce qu'au final, l'utilisateur, on ne lui donne pas cette matrice, je vous rassure, mais au moins ça construit à qui il doit s'adresser lorsqu'il a un besoin ou un problème. Merci Mylène. Oriane, même question, un exemple emblématique de la mise en œuvre. Alors, pour nous, un résultat qu'on souhaitait valoriser, c'était la question de la capacité à produire de la connaissance commune sur l'utilité des EdTech, sur les leviers, les freins aussi que c'est... les entreprises et que les éditeurs de solutions EdTech rencontrent. Je citerai peut-être deux exemples de ce résultat-là. Le premier exemple, c'est une étude qui a été menée cette année, auquel on a tous contribué autour de cette table ronde par la Banque des Territoires sur la question de la collaboration entre le public et le privé, et notamment dans leur déclinaison locale entre collectivités territoriales et solutions du numérique éducatif, étude qui montre à la fois encore les besoins de mieux se connaître, de dessiner un certain nombre de nouvelles façons de faire pour simplifier les processus d'achat, favoriser la connaissance que les collectivités ont des solutions qui sont disponibles, qui sont portées par les entreprises françaises, etc. Et aussi les travaux qui sont des travaux collectifs menés sur l'évaluation des dispositifs en cours. TNE, P2IA sont des dispositifs où il y a de l'argent public qui est injecté, sur lesquels il faut qu'on soit efficace collectivement. Et nous, EdTech, on a bien en tête cette exigence-là. On s'impose à nous-mêmes cette exigence-là. Et c'est vrai que le fait de contribuer et d'agréger la connaissance collective, de l'information collective, de la donnée aussi, sur là où il y a des freins, là il y a encore des blocages, là où ça va mieux, pourquoi ça va mieux, etc. C'est important parce que ça doit pouvoir nous guider pour la suite, faire en sorte d'être encore plus efficace dans les initiatives qui seront portées, en tout cas on souhaite.
Célia, un exemple problématique également. Si je devais retenir quelque chose, c'est peut-être qu'effectivement, ce que vous avez dit au début sur le partage, la concertation, le fait d'avoir une vision partagée, ça nous encourage aussi, nous, au sein des éditeurs scolaires, à avoir des visions partagées sur des éléments qu'on peut partager, à savoir par exemple une réflexion sur les données d'usage, ça veut dire quoi les manuels numériques. Travaillons tous ensemble sur la question des données d'usage et qu'est-ce qu'on veut sortir comme données, la question des formats interopérables entre nous aussi. Cette question, elle se pose et elle se serait posée, mais là, c'est vrai qu'on a un cadre de travail avec la DNE qui permet qu'on accélère et qu'on aille un peu plus vite. Et puis, typiquement, dans les échanges, quand on a des grosses décisions d'investissement à prendre, donc là, je prends un exemple du groupe que je représente, mais ça illustre, à mon avis, pour beaucoup d'éditeurs scolaires, quand on doit faire des choix, par exemple, de solutions d'hébergement, c'est évident que pouvoir en discuter avec la DNE, non pas en tant que conseil, mais de dire voilà, on va choisir un cloud souverain, on veut aller vers cette solution, de pouvoir avoir ces échanges-là, ça nous rassure et ça nous permet d'investir plus sereinement. Audran, alors peut-être pas facile de choisir, mais au final, est-ce qu'il y a un sujet ou deux qui paraissent vraiment emblématiques également du point de vue du ministère ? Alors, peut-être évoquer un sujet, parce que pour le coup, alors, c'est vraiment la compétence du ministère, même si on n'est pas au bout de nos efforts, c'est le sujet de la formation. Alors, on a bien mis en avant dans la stratégie du numérique pour l'éducation le rôle essentiel que doit jouer la formation, notamment des enseignants, pour développer les usages du numérique. On l'a pour le numérique en général, mais on l'a également pour l'IA en particulier. Et donc, même si c'est un process encore en cours, hein, on peut peut-être s'arrêter deux secondes là-dessus. C'est vrai que, bon, on veut développer à bon escient, de façon raisonnée, l'usage du numérique et dans le numérique de l'IA, notamment l'IA générative, dans les pratiques, dans également la transmission de compétences vers les élèves. Et si on veut justement éduquer nos élèves à ces questions-là, les rendre plus compétents, leur expliquer ce qu'est cette technologie, comment la mettre en œuvre, etc. Ça suppose d'abord que nos enseignants maîtrisent, en tout cas, et des sensibilisés, en maîtrisent les principes, voire en soient des acteurs, c'est-à-dire sachent utiliser cet outil, y compris dans leur métier. Donc, et c'est d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, mais c'est la raison pour laquelle on souhaite activement, et on est en discussion avec le SGP dans le cadre de France 2030 pour ça, de travailler la question de l'intelligence artificielle au service du geste enseignant. Construire avec la tech française des outils qui viennent véritablement aider l'enseignant dans son travail au quotidien de préparation de cours, d'évaluation, etc. etc. Mais voilà, on pourra mettre tous les outils du monde, il faut accompagner tout cela par de la formation, ça a été dit, hein, le triptyque que tu évoquais, Célia, voilà, la formation est absolument indispensable et même un préalable. Et donc on a commencé à travailler là-dessus, on n'est pas encore une fois au bout de nos efforts, mais il y a des premières choses, il y a le dispositif PIX plus Edu qui a été expérimenté, qui est maintenant déployé, dans les territoires, il y a des enseignants par dizaines de milliers qui se forment au travers du dispositif PIX plus Edu. C'est encore pas assez, mais c'est en progrès. On a sur l'aspect IA, pour le coup, un MOOC qui a été créé, qui est le AI for Teachers, qui a été mis au point avec INRIA sur la plateforme FUN, qui est un grand succès. Et notamment, il faut aller voir les forums de ce MOOC, parce que c'est là où il y a aussi beaucoup de choses qui se disent. On a mis en place une communauté au sein de Magistère qui s'appelle CREA, autour des pratiques utilisant l'intelligence artificielle. Donc là aussi, c'est une source d'expérience qui est extrêmement précieuse et qui permet d'entrer dans la formation à ces questions-là. Donc voilà, par différentes voies, on progresse sur la formation, mais voilà, je devance tout de suite les remarques. Il y a encore beaucoup à faire en la matière et donc il faut qu'on continue de progresser là-dessus. Mais je voulais peut-être mettre un peu l'accent sur ce sujet. Merci beaucoup à tous les quatre. On propose d'accueillir du coup les deux pitchs qu'on propose. Et, voilà. Et donc on commence avec Edu Pilote, avec Federica et du coup avec Mylène aussi. Mais je vais laisser Federica parler, je serai là en secours. Bonjour.
Bonjour à tous. Avec Mylène, on va vous parler très rapidement de DuPilote. Dans la stratégie, axe 1, écosystème pour les petites politiques publiques partagées. Pourquoi DuPilote? On en parlait dans la stratégie, il y avait cette idée de créer un tableau de bord partagé. Et en fait, le point de départ était différentes questions. On en a listé avec Mylène quelques-unes, mais on aurait pu faire une liste très très longue. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a des questions. Il y a plein de questionnements qu'on peut se poser quand on travaille en œuvre pour donner des qualifications, que ce soit une collectivité, que ce soit une région, que ce soit chaque établissement, donc à la fois sur les compétences numériques dans les collèges et dans nos départements. On a peut-être enfin envie de vouloir aussi se comparer. se poser des questions sur les affectations des ressources à l'établissement. En échelle d'établissement, on peut souhaiter avoir une vision un peu plus globale du numérique dans l'établissement, etc., etc. Et toutes ces questions-là, en fait, sont à la fois légitimes, appellent le fait de chercher des réponses dans des données qui viennent souvent de sources différentes, du système d'information et d'une répartition de compétences qui est répartie. Malgré tout, le constat était que ce n'était pas toujours facile d'avoir une réponse à ces questions-là. Ou en tout cas, une réponse sur tout le territoire, c'est-à-dire que localement, il peut y avoir des acteurs qui travaillent très bien ensemble et qui du coup se changent des informations et qui arrivent à construire, à avoir des informations communes, mais ce n'est pas forcément vrai à travers tout le territoire. Voilà. Donc, et du bilat, ce que c'est. On fait une intervention à deux voix parce que c'est vraiment un travail État collectivité ensemble. C'est le fait de créer un tableau de bord partagé. Donc, le tableau de bord, ça veut dire des indicateurs, des visualisations qui sont associés, mais qui portent un regard transverse sur le numérique. Donc, un regard sur à la fois sur l'équipement, sur l'information, sur les compétences, sur les usages, les ressources et services numériques. Et avec l'idée surtout de pouvoir proposer une lecture qui est du national jusqu'à l'établissement. Et surtout, un détail qui n'est pas un petit détail, c'est le fait de ne pas, contrairement à des logiques qui sont souvent pour être dans des applications, de ne pas mettre des barrières de lecture en disant sur un département de voir quel est mon territoire, chez l'établissement, je vois quel est mon établissement, mais de créer un tableau de bord qui permette aussi d'avoir un regard sur les autres. C'est-à-dire, quand je suis un département, je peux me balader entre niveau national, régional, chercher un établissement, je peux regarder d'autres établissements sur le même territoire, et ainsi de suite. Et pour essayer d'avancer de façon constructive, on s'est donné un périmètre quand même pour commencer, c'est-à-dire le second degré, donc les collèges et lycées publics, avec des publics concernés par la première phase du projet, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les académies, les chefs d'établissement et l'administration centrale. Donc ça, c'était un choix pour commencer à avancer et surtout co-construire et du pilote. Alors, ce qui est important, ce qui est vraiment important dans ce que dit Federica, donc il y a plusieurs dimensions dans les du pilote, mais c'est aussi de pouvoir regarder, en tout cas en tant que collectivité, de pouvoir regarder sur son propre territoire, mais aussi, on pose souvent la question, mais qu'est-ce qui se passe à côté ? Pour pouvoir se situer les uns par rapport aux autres et éventuellement aller voir s'il y a un modèle quelque part et pourquoi il fonctionne de telle ou telle manière, ou alors est-ce qu'ils sont meilleurs ou moins bien, et essayer d'aller chercher des idées. Et c'est l'idée de cette plateforme de données à la fois ouvertes, mais les données sont déjà ouvertes pour beaucoup, mais là elles les rendent visibles. On n'a pas besoin d'être un spécialiste et d'aller sur Open Data, même si c'est très bien d'aller télécharger les données, de se retrouver avec une enclume sur son poste et de ne pas pouvoir, de ne pas savoir interpréter ces données. Et c'est aussi tout le travail de l'équipe qui a travaillé sur le DuPilote. Je te laisserai éventuellement le citer si besoin. Et c'est important d'avoir des spécialistes qui ont déjà décortiqué un peu ces données et qui nous donnent des indicateurs. Et ce travail-là, en revanche, ça serait aussi un dialogue avec les collectivités, un dialogue des académies, parce qu'il y a des jeux d'établissement et plein d'autres acteurs, parce que l'idée c'est aussi de ne pas rester sur des appuyer sur ce qui serait utile, mais bien vérifier qu'on construit quelque chose, qu'on propose des choses qui servent. Et là, on va faire juste un micro-exemple, bah, du coup ça fait écho à ce qui a été dit, l'importance de la formation. L'idée, c'est en gros, à l'annonce du pilote, c'est un choix avec quelques visualisations que je vous fais, il y a beaucoup plus un choix, mais c'est qu'en gros, on va regarder pendant l'année scolaire, choisir des années scolaires, on peut éventuellement aller
d'une maille régionale jusqu'à l'établissement, et on va chercher des indicateurs sur la formation. La formation dans les plans national et académique de formation, avec des métriques tangibles sur les journées de formation, sur les journées de formation, dalles numériques, les thématiques qui ressortent. Et petit à petit, nous, ce qu'on fait en travaillant, en voyant ce qui est intéressant, on complète. On a commencé, par exemple, c'est la partie tout en haut à droite, de regarder les parcours de formation, auto-formation, dalles numériques sur magistère. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie d'émettre des choses, on les construit au fur et à mesure, pour essayer de donner des indicateurs qui restent certes macro, mais qui servent. Et pour terminer, comment participer? Alors, pour les collectivités, il faut qu'elles partagent, donc c'est un peu un deal, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est un peu un deal, mais il faut que les collectivités, pour qu'elles puissent accéder aux données du pilote, elles partagent leurs données d'équipement. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on est en. Comme l'a dit Federica, comme on l'a dit, je ne sais pas combien de fois on a dit le mot partagé depuis le début de cette table ronde, mais on est sur un tableau de bord partagé. Donc l'idée, c'est de tous se retrouver ensemble et de regarder ensemble quelles sont les données dont on dispose et qui nous permettent de mieux lire chaque territoire. C'est aussi important, pardon, je prends encore 30 secondes, c'est aussi très important lorsque la collectivité va discuter avec chaque établissement. Elle a besoin, en fait, en support, d'avoir un certain nombre de données. C'est à partir de ces données qu'elle peut discuter avec lui sur tel ou tel équipement, sur telle répartition d'équipement, sur telle ou telle ressource. Et c'est sur la base de ces données que chaque collectivité et le PLE peuvent engager un dialogue de gestion sur ce qu'il faut, sur ce qui est le mieux pour chaque établissement. On rentre dans une finesse d'équipement et pas quelque chose de massif, que ce soit d'équipement ou alors de ressources sur les deux territoires. Et donc certes, on insiste beaucoup sur les collectivités parce qu'il y a une partie donnée d'équipement qui doit venir des collectivités, mais globalement, en fait, ensuite, si cette solution est du pilote, elle est là, 5 ans en prototype, mais qui est en train d'être industrialisée, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en cours de construction, mais qui avance et qui est là, qui est tangible. Ça veut dire que quand toutes les structures qui sont dans les groupes de travail ont accès, ils peuvent le tester, que ce soit collectivité, que ce soit chef d'établissement, que ce soit des académies, et donc ça permet de l'améliorer. Donc il est possible d'avoir un code d'accès, il est possible de tester, il est possible de faire remonter un avis en tant qu'utilisateur, participer des groupes de travail. Et je termine juste parce que même si j'ai parlé beaucoup, on a parlé beaucoup de collectivité, académie, chef d'établissement, et c'était ça tel que ça a été proposé au début de la stratégie, ça ne veut pas dire que ce produit-là ne va pas évoluer. Il y a des intérêts pour le monde de la recherche, et des intérêts pour la filière, et donc c'est aussi une phase de démarrage pour réfléchir à comment on pourrait avancer par la suite. Merci beaucoup. Merci Federica, merci Mylène. Vous l'avez compris, un projet qui illustre également la dynamique. On enchaîne avec, on a parlé aussi tout à l'heure d'IA, on enchaîne avec Pierre et Axel, je ne sais pas où ils sont, qui vont nous parler également d'IA. En éducation, avec un début de mise en mouvement également. Merci à tous les deux. En mode pitch, hein. Non, je dis ça comme ça. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, comme vous savez, on parle beaucoup d'intelligence artificielle pour l'éducation dans ce salon. Il y en a même certains qui disent que l'IA peut remplacer les enseignants. L'IA, non, est un outil. Le vrai artiste, ça reste l'enseignant. Et voilà, on vous propose de parler un peu, de voir comment l'IA peut encapaciter l'enseignant dans ses pratiques. Et je m'appelle donc Pierre Laborde, je suis président de la FINEF et également dirigeant de Cabrilog, une tech de la filière. La FINEF étant l'autre association qui rassemble les entreprises du numérique éducatif. Alors comment encapaciter les enseignants grâce à l'IA? L'IA peut être très utile pour diversifier les approches et notamment diversifier les apprentissages pour les faire mieux coller aux besoins des élèves. Si je prends l'exemple de parcours personnalisé, on comprend comment on va pouvoir aider des élèves qui ont s'agit d'élèves en difficulté ou d'élèves souffrant de troubles de l'apprentissage, comment je vais pouvoir adapter ces contenus.
et je suis accompagné donc aujourd'hui par Axel Jean, chef du bureau de l'innovation à la direction du numérique éducatif. Peut-être vous pourriez témoigner de comment aujourd'hui, avec des solutions que vous avez pu soutenir, on arrive à encapaciter ces enseignants dans leurs gestes d'enseignant. Merci beaucoup Pierre. Alors en effet, le terme est exact, et en capacité, c'est-à-dire que pour le ministère, aucune ambiguïté sur où est l'expert pédagogique, c'est l'enseignant. Mais basé sur des dispositifs technologiques, basés uniquement sur de la science en conception, en développement et en évaluation, alors on peut renforcer la capacité de l'enseignant à mieux différencier par exemple, à mieux suivre, à mieux évaluer, à la volée, etc. Donc on est bien sur un élément où aucun doute pour le ministère, il y a un expert pédagogique, le professeur, et on va essayer avec des techs, avec des laboratoires de recherche et naturellement très important au cœur de la stratégie numérique pour l'éducation, centrer l'utilisateur sur les professeurs, nos usagers premiers au bénéfice des apprentissages des élèves, faire des retours pour constituer des services qui soient le mieux adaptés aux besoins métiers. Ça, c'est ce que nous faisons systématiquement et clairement, c'est dans un but d'apprentissage, mais soyons très clairs, on dézoome un tout petit peu, l'IA est dans tous les pans de la société. C'est un fait majeur, si on dit un fait systémique. C'est les plantards, le chercheur qui l'indique sur le numérique, mais l'IA accélère encore ce besoin-là. Et l'école étant au cœur de notre société, en tout cas pour la démocratie, il y a un enjeu très fort aussi de s'acculturer, de détecter le potentiel de l'IA, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Et ça, ça doit être fait et proposé aux enseignants qui restent les seuls maîtres à bord du parcours, du chemin complexe qu'est l'apprentissage d'un élève. Donc en aucun cas, on ne vise des développements de services qui prétendrait faire la classe en professeur, ça n'est pas notre notion, ça n'est pas notre volonté, ça n'est pas notre modèle de société. Et les services, vous l'avez dit rapidement, une meilleure différenciation, une assistance aux professeurs pour suivre les progrès, pour travailler au bon niveau, au bon moment, donc les rappels expansés dans le temps, dans un proximal développement qui doivent parler à pas mal de personnes dans le public, donc apprendre au bon niveau pour pas trop faible, parce que sinon on s'ennuie, pas trop haut, sinon on franchit jamais la marche. En très très rapide, voilà ce que nous faisons et on le fait à travers plusieurs dispositifs. Donc notre directeur a évoqué les besoins de formation via iCortiek, nos collègues européens. Et on a deux dispositifs essentiels, EduHub qui fait un soutien dans le cadre de petites structures associatives ou entreprises pour développer des services basés sur de l'IA. Et un autre dispositif, le partenariat d'innovation en intelligence artificielle, qui permet de faire coopérer, co-construire ensemble, forger ensemble des dispositifs avec la recherche qui a les bonnes idées qui s'ancrent profondément dans la science en didactique et sur la nature d'IA, les enseignants qui expriment leurs besoins et qui savent exactement ce dont leurs élèves ont besoin, et le troisième acteur pour réussir le passage à l'échelle, là est la difficulté, les EdTech. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des excellentes idées en laboratoire, mais le passage à l'échelle ne va pas de soi, le passage du laboratoire à la classe ne va jamais de soi. On peut avoir un super prototype qui jamais ne réunira l'ensemble des attendus technologiques telles que décrites dans la doctrine technique du ministère, en termes par exemple de meilleure inclusion d'handicap, le RG2A, en termes par exemple de RGPD, la protection des données à caractère personnel, etc., etc. Donc ces attendus d'objets pour un service qui soit cohérent et conforme aux attendus à l'exigence d'excellence dans le service qu'on met à disposition des professeurs pour que les élèves apprennent mieux, doivent être assemblés dans un budget industriel. Ça ne peut pas être le stade du prototype. Le prototype est sympathique, il est intéressant, il avance, il explore, mais le ministère doit adresser des objets pour tous les professeurs, quelle que soit leur appétence par rapport au numérique, et non pour des grands débutants. Et faire quelque chose qui est une bonne expérience utilisateur, ça ne va jamais de soi. Donc c'est complexe, et pour ça, il faut être accompagné, je le redis, par des laboratoires de recherche, en didactique, en IA, en UX, des professeurs qui font des retours, donc des professeurs, je vais vite, hein, accompagnés par leurs équipes de délégations régionales académiques au numérique et éducatif, volontaires, donc des équipes qui veulent tester des choses un peu difficiles, puisque ça peut être des prototypes qui s'itèrent à force de leur retour, qui s'améliorent au fil de l'eau, et des tech qui savent comment réussir le passage à l'échelle et qui restent à l'écoute de leurs premiers usagers qui sont les professeurs. Voilà, donc en fait, voilà notre triptyque. Et Audran avait été sollicité par le G7 Japon l'année scolaire dernière, qui était sollicité pour dire comment vous faites en France pour arriver à faire travailler le public et le privé. Ça reste relativement rare. Donc la stratégie s'inscrit dans cette dynamique-là. Il se trouve qu'en Europe et dans le monde, il n'y a pas tant de pays qui arrivent à avoir une coopération intelligente. Alors elle n'est jamais parfaite. Des fois, il y a des frictions. Des fois, on n'est pas d'accord sur le timing, sur la qualité de ce qu'on délivre, etc. Mais quand on se met centre utilisateur, professeur et élève, on peut être assez fier de ce qu'est capable de livrer la filière EdTech française
accompagné par la recherche française et accompagné évidemment par les acteurs sur le front de l'innovation que seront toujours les professeurs, accompagnés ensuite par une direction numérique pour l'éducation. En très très rapide, et je suis désolé s'il y a des redites avec ce qu'on a dit ce matin lors de notre conférence d'ouverture. Merci beaucoup Axel, et recherche française ou européenne, je dirais, pour rester à l'échelle de l'Europe. On parle beaucoup d'IA générative également, les dernières comme ça annoncées en IA générative rebattent un petit peu les cartes. Voilà, on a parlé des gestes pour l'enseignant, mais ces IA génératives vont aussi nous permettre de générer dynamiquement des ressources qui vont être personnalisées et interactives, de créer des feedbacks instantanément sur mesure et aussi de s'adapter parfaitement aux apprentissages, aux besoins spécifiques, diversifier les apprentissages, notamment grâce à des techniques comme la synthèse multimodale. Mais bon, force de toutes ces évolutions très positives et du potentiel qu'apportent toutes ces IA, il y a quelque chose essentiel et je pense qui est partagé avec toutes les personnes autour de cette table, qui est si on veut une IA qui serve l'éducation, il faut qu'elle soit avant tout éthique et responsable. Et à ce titre, à la FINEF, nous soutenons toutes les initiatives comme le partenariat d'innovation en intelligence artificielle qui a été évoqué par Axel, qui vont renforcer la souveraineté française, mais aussi sensibiliser la communauté éducative aux avantages et aux risques liés à l'IA. On parle par exemple dans les pays anglo-saxons de AI literacy, comprendre les mécanismes qui sont derrière l'IA en ayant du recul, ça va aussi permettre à aider nos jeunes plus tard à maîtriser cette nouvelle technologie de rupture plutôt que de la subir. Et là-dessus, nous avons 15 propositions sur le numérique éducatif à la FINEF que vous pouvez retrouver sur notre site web et qui vous donneront une vue d'ensemble de nos engagements sur ces sujets-là. Alors, je crois qu'il nous reste quelques secondes. Oui, à peine. Alors, d'accord. Alors, pour conclure, j'avais d'autres questions pour Axel, mais en fait, il avait anticipé les réponses, donc merci. Pour conclure, voilà, simplement pour dire que l'EdTech, la filière, on s'engage vers une IA qui aide, qui contribue à une école inclusive. Et l'idée, c'est bien sûr que la machine soit l'allié de l'enseignant et non un remplaçant. Merci beaucoup. Merci Pierre, merci Axel. Alors, vous pouvez applaudir si vous voulez. Et je partagerai les applaudissements aussi avec Federica et Emilienne. Dernière partie de la table ronde, on va se faire un exercice de projection. Ça a été dit, la stratégie, c'est un document qui est vivant par ailleurs et qu'on essaye de mettre à jour, parfois là où c'est utile. On a vu tous ces travaux, ces projets, ces initiatives qui sont en cours et qui s'inscrivent aussi dans un chemin qui va évoluer et sur lesquels on doit être, attentif à ce qui se passe aussi tout le long des travaux. Selon vous, alors on commence possible peut-être encore une fois par Mylène, quels sont les ajustements que les collectivités ont identifiés justement dans les 6-12 prochains mois? Qu'est-ce qui, encore une fois, de manière assez symbolique, il va falloir aussi continuer de travailler ensemble? Alors, sur le fond, en fait, la stratégie, elle répond quand même, hein, dans les grandes lignes, il y a l'arrivée de l'IA sur laquelle sur laquelle il faudra travailler, mais sur le fond, on n'a pas grand-chose à redire. En revanche, on a un sujet que je remets souvent sur la table, qui est le sujet de la communication. Donc il va falloir qu'on imagine d'autres outils sur la communication pour que ça redescende sur le terrain et que, comme le disait une collectivité, il faudrait une stratégie de la communication pour faire connaître la stratégie. Donc c'est vraiment un point important. Et nous, je pense qu'il faut qu'on construise de nouveaux outils. Donc on a construit typiquement, on a montré tout à l'heure la matrice, mais donc on a construit quelques outils. Et là, il faut qu'on ait des outils un peu comme EduPilot. Il faudrait peut-être, des fois j'ai beaucoup d'ambition pour EduPilot, je dis toujours à Federica, mais on pourrait mettre ça, on pourrait mettre ceci, on pourrait mettre cela. Et que l'on construit des outils en commun, y compris sur la communication, sur les réponses que l'on apporte, qui doivent être apportées à toutes les collectivités dans leur globalité,
et qu'il n'y ait pas des sons un peu dissonants, parce qu'on se demande toujours pourquoi, comment ça se passe chez toi, et puis donc c'est vraiment, pour moi c'est un point important. Je me disais aussi qu'on pourrait faire, dans ces documents communs, je rêve d'une espèce de timeline où on voit ce que l'État fait à ce moment-là, ce que l'Académie fait, ce que l'EPME fait, ce que la collectivité fait, et qu'on sache par exemple au mois de janvier ce qui arrive dans l'établissement, et de manière à ce que les calendriers ne se confondent pas, qu'on ne vienne pas embêter, que la collectivité ne vienne pas embêter l'établissement alors qu'il a autre chose à faire à ce moment-là. Donc on sait plus ou moins, ou alors que l'État ne vienne pas, entre guillemets, n'arrive pas avec un nouveau projet, alors que la collectivité, elle a déjà son propre projet qui est en place, et elle a pas le temps à ce moment-là. Il y a un autre sujet, dans la stratégie, à un moment il est indiqué, enfin au tout début, c'est marqué « mobiliser le numérique là où il est pertinent ». Là je me retourne vers Célia et Oriane, et il faut vraiment qu'on travaille à ça, il faut qu'on identifie là où il est vraiment pertinent. Je sais qu'il y a d'autres tables rondes, qu'il y a d'autres discussions, notamment suite au rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et il faut qu'on identifie ce qu'il vient de dire, c'est quels sont les freins de l'appropriation. Ce qu'on veut atteindre, c'est ni les geeks, ni les réfractaires, c'est vraiment le haut de la courbe, de la courbe normale. Donc je pense que ça, c'est un gros sujet qui nous attend. Et enfin, mais ça c'est toujours le point de vue des collectivités, même si je sais que le ministère de l'Éducation nationale ne peut pas tout faire, mais on aimerait beaucoup quand même embarquer les parents. Donc ça a été fait un peu dans les TN2, ça a été fait, on sent qu'il y a il y a les premières avancées, et je ne demande pas non plus au ministère de l'Éducation nationale d'aller former les parents, mais il faut qu'on se coordonne aussi mieux sur le terrain, de manière à embarquer les parents, enfin les adultes, hein, qui sont parfois parents ou qui le sont même toute leur vie. Merci Mylène. Célia, sur justement ce travail de projection, comment vous voyez du point de vue des éditeurs ? Alors moi j'ai trois souhaits. Le premier, c'est quand j'ai entendu parler de l'IA, de l'IA générative, en fait, voilà, on y est en fait, les enseignants, il y a à peu près 80% des enseignants, ils travaillent déjà avec l'IA. Donc ils ne sont pas en train d'attendre le xème produit qui va sortir d'un appel d'offres de l'éducation nationale. Hein. Ça, on est tous, j'en suis convaincue. Donc le sujet là, c'est de vraiment donner dans la doctrine, enfin dans la stratégie, un cadre de confiance aux enseignants pour qu'ils puissent se dire, enfin au-delà des outils en fait, c'est pas le sujet les outils, bien sûr qu'on va leur expliquer que c'est pas bien d'aller utiliser les données des élèves, bon, ça oui, mais ce qu'ils veulent les enseignants, c'est comprendre en quoi cette IA, c'est pas juste pour faire de la différenciation, il y a plein d'opportunités en fait avec l'IA, donc ça va passer par la formation, bien sûr, mais c'est reconnecter les élèves au savoir, c'est enrichir leur curiosité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui dépassent l'outil mécanique de je vais adresser telle difficulté ou dans tel apprentissage. Donc ça, c'est un point important et il faut vraiment, vraiment, vraiment se dire que l'enseignant, il y est déjà. Donc ne faisons pas un xème appel d'offres, ne faisons pas un xème point là-dessus parce qu'on sera de toute façon dépassé. On est déjà dépassé sur ce sujet-là. Ça, c'est le premier point. Et donc, il faut faire en revanche évoluer les outils qui, nous donnent des contraintes à juste titre, hein, comme le GAR, par exemple. Ça nous donne des contraintes, mais donc, du coup, comment ils évoluent aussi vite que ce que va permettre l'intelligence artificielle générative. Il y a un deuxième sujet. Je suis ravie de voir qu'il y a effectivement beaucoup de collectivités qui se sont emparées de cette stratégie du numérique éducatif, mais il y en a qui ne s'en sont pas emparées. Et donc, il y a certaines collectivités qui, aujourd'hui, travaillent encore avec des plateformes qui proposent des formats propriétaires, qui proposent des façons de faire qui sont à rebours de ce qu'explique la stratégie du numérique éducatif. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, un, ces collectivités, elles imposent des formats et des façons de faire aux enseignants. Et ça, voilà, j'ai essayé de parler de la liberté pédagogique, mais c'est à rebours d'une liberté pédagogique qui est inscrite dans le code de l'éducation, il faut quand même le rappeler. On impose des formats propriétaires aux éditeurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous faisons double production de manuels. Donc ça aussi,
Moi, j'aimerais que cette stratégie, cette doctrine, elle s'applique à tous et pas uniquement à des collectivités qui l'appliquent par bonté d'âme. Et troisième point, pourquoi ces régions se sentent finalement pas obligées d'appliquer cette stratégie et cette doctrine? C'est parce qu'elles financent. Donc, on revient à la... Et là, je sais qu'on en a déjà discuté, mais on sait bien que le sujet du numérique, si on veut qu'il se déploie de manière organique et de manière efficace, ça doit passer par l'enseignant qui doit être doté de moyens pour pouvoir choisir les solutions qu'il souhaite et pas que ça lui tombe du ciel par une région qui n'a pas de compétences pour ce faire. Voilà. Pour Yann. Alors, moi, j'ai un souhait, c'est que l'école, elle fonctionne. Et sans faire injure à quiconque dans cette salle, que vous soyez enseignant, agent, enfin personnel d'une académie, EdTech, éditeur, voilà, je pense qu'en France, notre école, l'école publique, ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas, le niveau des élèves baisse, elle ne fonctionne pas parce qu'on a du mal à intégrer des élèves qui ont des profils d'apprentissage qui sont un peu spécifiques, troubles 10, troubles du neurodéveloppement, etc. La médiatrice de l'éducation nationale dit dans son rapport récent que le climat scolaire se détériore. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui peut-être sont dans cette salle qui le constatent au quotidien. Il manque 3000 enseignants, si ce n'est plus. Et je pense qu'on peut, il y a encore plein d'autres exemples qu'on peut citer. Peut-être oui qu'on est l'école la plus reproductrice des inégalités dans l'OCDE. Donc, je ne pense pas, je n'ai aucune naïveté sur le fait de penser que toutes les EdTech ont toutes les solutions et que même les EdTech ont des solutions miracles, ça c'est clairement pas le cas. Par contre, ce que je sais et ce que disent la recherche scientifique, un certain nombre de mesures d'impact, etc., c'est qu'elles ont une partie des réponses. Sauf que, même si elles ont une partie des réponses, même si elles le prouvent dans des expérimentations, dans des cas de marché, etc., aujourd'hui, elles sont plafonnées, elles ne peuvent pas aller plus loin, elles ne peuvent pas aller plus loin. On parlait aujourd'hui des TNE, des P2IA. Aujourd'hui, à échéance, un an, on ne sait pas ce que ça va devenir. Nous, et je pense que je peux associer les éditeurs d'éducation à la FUNEF à cette demande, nous, et ça fait d'ailleurs depuis très longtemps, on demande à ce que, justement, pour garantir la liberté pédagogique et pour donner le moyen aux enseignants de se doter des outils dont ils ont besoin au quotidien et qui sont les meilleurs à pouvoir choisir, il faut leur donner les moyens de le faire. Donc, il faut créer une cagnotte, il faut créer un contre-source, peu importe comment on l'appelle, il faut leur donner les moyens de choisir les EdTech, d'avoir connaissance de l'offre qui existe, de la tech française qui existe à leur service, à leur disposition et qui sont conçues de manière éthique, qui remplissent les exigences à juste titre qui sont fixées par le ministère, qui choisissent et qui les mettent à disposition dans leur classe. Les études d'impact qu'on fait un certain nombre de EdTech qui sont aujourd'hui sur le territoire, dans les usages des enseignants, etc., montrent que ça fonctionne parfois même beaucoup mieux et c'est beaucoup moins cher qu'un certain nombre de dispositifs sont portés par aujourd'hui un certain nombre de ministres ou d'élus, comme le dédoublement des classes, plein d'autres choses. Et la Cour des comptes le dit, ça coûte très cher et ça rapporte peu d'évolution dans les niveaux des élèves. Je ne dis pas que c'est un mauvais choix, je pense que c'est très bien de mettre des enseignants en plus et des petits groupes d'élèves, mais la vérité, c'est que ça coûte moins cher et c'est plus efficace, donc à un moment donné, on peut aussi peut-être se dire qu'on va y aller. Et puis par ailleurs, ce que disait Célia à juste titre, on est dans une société et dans un monde qui est numérique. Donc l'école ne peut pas être neutre vis-à-vis de ça, ne peut pas être un sanctuaire du numérique. On a besoin de former au et par le numérique, on a besoin de mettre la puissance du numérique au service des enseignants et des élèves dans des conditions qui sont satisfaisantes, qui sont éthiques, qui sont encadrées, qui sont dans des temps courts et pas évidemment dans des temps trop importants. Et ça, pour nous, il y a deux choses. Je le disais, le contre-sens et donc la question de la structuration d'un marché avec des cadres, avec un cadre de marché qui est identique pour les solutions privées comme les solutions publiques, qui garantit la liberté pédagogique. Et deuxième point, et ça rejoint le projet EduPilote qui nous a été présenté, on salue évidemment, et auquel on sera ravis d'être associés, puisqu'en tant qu'EdTech, on est aussi évidemment les premiers producteurs de données. Systématisons les mesures d'impact, systématisons les mesures d'impact et l'analyse intelligente et contextualisée des données d'usage qu'on a des solutions numériques. Une solution numérique qui est utilisée une fois par semaine
parce que c'est une solution qui est juste sur au collège, l'orientation des élèves, ça veut pas, ça, c'est au moins aussi bien qu'une solution qui est utilisée 10 fois par semaine parce qu'elle permet l'apprentissage de la lecture dans une classe de CP. Donc de la donner, il faut la contextualiser, il faut lui donner de la valeur, il faut lui donner du sens. Et donc systématisons la mesure à l'impact et surtout contextualisons, analysons, travaillons sur cette donnée-là qui nous dise des choses, des apprentissages, des façons de faire des enseignants, des enjeux qu'on a face à nous en termes de d'IA générative, en termes d'apprentissage au numérique. Et peut-être un dernier point, on espère, pareil, je pense que je parle pour les 3 associations de la filière, on espère aussi que les propositions qu'on a formulées d'engagement que nous on s'est données en tant qu'association de filière, on a formulé au pouvoir public dans le cadre d'un contrat de filière, c'est un document, alors c'est peut-être, ça vous paraît peut-être un peu décorrélé de la réalité ou hors sol, mais c'est un document qu'on a formalisé tous les 3 qui donne un certain nombre d'engagements et qui nous paraît être un document central pour justement aller dans le sens, faire en sorte que cette connaissance, cette collaboration mutuelle et partagée nous enjoigne et nous exige de nous que dans les 6 mois, les 1 an et l'année prochaine, au prochain Educatech et les années suivantes, on se soit hors des contraintes politiques, parce que quand même c'est un problème, cette instabilité politique, on se soit donné à la fois un cap et un cap collectif, mais aussi des échéances et des échéances où on se dit que oui, on peut s'engager collectivement sur le fait de mettre le numérique au service des enseignants, trouver les moyens qui aujourd'hui financiers qui vont permettre de déclencher cette cagnotte ou ce contre-source et faire en sorte que voilà, on mette vraiment le meilleur de la tech française dans les mains des enseignants et de nos élèves. Merci, c'est bien. Merci, Oriane. Audran, alors comment on se projette sur les 12 prochains mois? Comment on essaye de continuer ce collectif sur le sujet? Il nous reste 3 minutes, 18 secondes. Donc, ça sera synthétique. Donc, évidemment, il y a l'éléphant au milieu de la pièce hein, qui est l'intelligence artificielle. Je crois à peu près que vous tous parlé. Là-dessus, alors, quitte à m'écarter un petit peu de ce que tu disais, Célia, je pense qu'il y a quand même un besoin de s'adresser à la sphère éducative pour dire quelles conditions j'ai dans l'usage de l'IA en général, de l'IA générative en particulier, et des IA génératives grand public tout particulièrement. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser? Si oui, comment? À quelles conditions, etc. Donc, ça, voilà, même si on a tous un peu d'intuition sur le fait que les données personnelles, c'est la ligne rouge, etc. Mais voilà, il faut que le ministère ait un discours clair là-dessus pour les enseignants et donc pour les élèves et leurs parents. Donc ça, on y travaille, l'idée d'une doctrine d'usage de l'IA, d'un cadre d'usage de l'IA, peu importe les termes, on travaille là-dessus, on va proposer des choses à la ministre, et voilà, je pousse pour qu'il y ait une concertation avec l'ensemble des acteurs sur cette question-là, pour qu'il y ait un discours partagé encore, concerté sur cette question-là. Et donc, typiquement, c'est quelque chose qui devra venir mettre à jour la stratégie, même si globalement, elle est déjà dans l'idée d'un usage raisonné, pertinent, je ne reviens pas sur cette terre, mais déjà commenté. Donc ça, c'est un premier point. Et après, un deuxième point pour terminer là-dessus, il y a eu la commission écran. Je ne sais pas si on l'a cité aujourd'hui, je ne crois pas, mais on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Alors, la bonne nouvelle, quelque part, c'est que les conclusions de la commission écran sont finalement très convergentes avec ce qu'on a déjà posé comme vision stratégique. C'est-à-dire que, Oriane l'a dit, je crois, il y a le numérique, personne ne croit que c'est magique, que ça va sauver l'humanité et l'éducation en particulier. Ça peut aider par certains aspects, donc il faut bien regarder là où les usages sont pertinents, et on travaille d'ailleurs un guide des usages du numérique en la matière. Mais donc, voilà, il faut qu'on prenne bien en compte les conclusions de la commission écran. Ça a des répercussions dans un certain nombre de précisions qu'il faudra apporter
sur c'est quoi un ENT, les usages d'un ENT dans le premier degré, et selon les âges, je pense qu'il faut discerner le cycle 3 qui prépare au collège, du reste où on a des enfants qui sont plus jeunes et qui du coup n'ont pas forcément à être sur toutes les fonctionnalités d'un ENT. Il faut qu'on travaille également sur les équipements, c'est quoi un équipement maternel, on était un peu silencieux là-dessus, bon, il faut qu'on dise les choses assez clairement. Voilà, on a un certain nombre de sujets également sur l'usage, les règles d'or d'usage d'un ENT, d'un logiciel de vie scolaire au collège, quand on est professeur, quand on est parent d'élève, quand on est élève, voilà, donner des lignes claires, voilà, ce genre de choses qui étaient encore assez peu présentes. Et puis, tu parlais des parents et la parentalité, Mylène, je pense qu'il faut également qu'on ait un discours clair vis-à-vis des parents. Le ministère a une relation assez privilégiée avec les parents d'élèves. On est probablement l'institution publique qui a le plus de liens avec les parents. Et donc, on a de ce fait un rôle à jouer là-dessus. Il y a même la loi récente pour la sécurisation et la régulation de l'espace public qui invite, pour le dire gentiment, l'éducation à sensibiliser chaque année, au moment des rentrées scolaires, les parents d'élèves au sujet des écrans, pour le dire vite. Donc, voilà quelques aspects en plus de tous ceux qui ont été cités sur lesquels il faut travailler. Juste, je suis entièrement d'accord sur le cadre de confiance. Hein. Ce que je voulais dire, c'était, je parlais des appels d'offres en fait sur le geste professionnel vers l'IA, etc. Je pense qu'on est, ça y est, le train il est en train de passer, donc on n'en est plus à faire des appels d'offres qui peut-être aboutiront dans 3 ans. Donc c'est le cadre de confiance. En revanche, je suis évidemment totalement d'accord. Je voulais juste rebondir, ça n'existe pas les écrans. C'est juste, il y a des usages récréatifs et des usages éducatifs. Utilisons les bons termes dans ce cas. Merci. Alors, je vous avais entendu le petit quickly là. On a épuisé notre temps. On ne peut pas prendre de questions, mais on reste en quelques instants là. Donc, si vous avez envie de poser une question, on reste quelques instants. Merci à toutes et tous. Merci également aux collègues qui sont intervenus. Et puis, très bonne éducatech et à l'année prochaine.